Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Le Bilan en Images pour cette finale du toute catégorie de Bourg-les-Valence. Bienvenue à toi David. Bienvenue à toi Roger. Donc cette finale qui va opposer Jérémy Ferry à Rami Yanès de Jouer les Tours. YACR, ouais, de Jouer les Tours. Une finale un peu inattendue. Oui. Mais deux bons joueurs avec un super comportement. Acer qui nous vient du Maroc, qui tient une belle salle là-bas avec 6 poules, un snooker, et qui fait notre petit circuit ici en France avec d'autres de ses compatriotes, tous adorables, je viens de le dire. Et je suis bien content qu'il ait pris sa licence à Jouer les Tours, parce que en tant que personne, on voit très bien le personnage. Et Jérémy, c'est pareil. Hein. Il est adorable. Jérémy, que je connais un peu moins, mais qui a l'air aussi adorable. Ouais. De belles personnes. Alors, la casse est à YACR. C'est parti pour cette finale. Casse première bi-pleine tête. C'est rentré, jaune. Oh, la blanche, elle est pas très bien. Non. Première difficulté pour confirmer. Rouge au milieu peut-être. On va voir ça tout de suite. Alors il a une très bonne qualité, c'est de quand même très bien analyser au mieux la situation dans laquelle il se trouve. Et il a un très bon coup de queue. Hier je l'ai joué moi en 8e je crois, et il a pas loupé grand chose. Puis là, vous allez voir par son attitude, il est très posé. Ouais, très fair play. Apparemment ouais, il va jouer un coup de défense, voilà. Enfin défense, il laisse la main pour pas prendre un risque. Il laisse à Jérémy le choix, mais bon. Parce que là, je vois pas comment Jérémy peut défendre. Il va devoir se lancer, je pense. Jaune appui rouge au milieu, peut-être. Ou jaune direct au milieu. Alors, Jérémy, lui, il a battu pas un mot, notre ami pas un mot, Jesse Rocheton en demi-finale. Mais pas un mot, voilà. Yes. Sur le score de 5-4. Et YACR a battu moi-même 5-4 également. Oh, le bec. Ça, c'est en demi-finale. YACR a une position de blanche plus favorable pour commencer à attaquer la table. A ton avis, va prendre quoi, mon petit Dave? Je pense quand même qu'il va essayer de jouer finesse au milieu. La jaune, pardon. Jaune, essayer de dégager tout de suite. Les deux là. Oui, parce qu'il a la blanche, elle est pas collée, tu vois, et il peut faire souplesse, et même si il accroche un peu trop, qu'il se rapproche trop de la jaune, il a cette jaune pas très loin de la noire qui peut jouer sur l'autre côté. Par contre, alors un petit coup de pression peut-être, c'est la première. Petit crochet. Mais il était pas mal celui-là. Ça arrive. Hein. D'habitude, oui, ça arrive. Je voulais pas continuer sur ton truc, mais ça arrive. Et on est bien placé pour le dire. Ça nous arrive. Alors Jérémy. Ce matin, j'en ai fait un. Ah mais t'as pas eu tes 8 heures de sommeil sur la pote. Il va rester gravé. Petit chevalier directement attaquer une jaune diagonale. Ouais mais il prend le risque. Hein. C'est dans le sens. Attends, du jeu. On va faire un petit sourire. Et il a bien mis, ouais. Il a bien empoché, par contre derrière, tu vois, ça c'est pas... Mais il a encore, vis-à-vis de la table, il est encore devant, ouais. Pour moi. Donc même s'il peut pas attaquer maintenant, il peut préparer son jeu, sa table. Et attention à YACR, parce que en défense, il est pas mal non plus. Je peux pas, c'est interdit, ma religion me l'interdit. Voilà, pas de risque à décoller un petit peu sa jaune et
On voit que c'est la première manche, on sent un petit peu de fébrilité dans, le jeu des deux acteurs de cette finale. Bon, la table est loin d'être évidente là. Si vous partirez à la ferme. Non, je pense qu'il a. Je pense qu'il a regardé en fait. Au départ, je l'ai vu regarder pour voir si la rouge pouvait passer devant. Passe. Et je l'aurais joué de suite moi. Après, bon voilà, il a décidé autrement. Il part à l'attaque. Bien joué, t'as vu. Par contre, c'est super bien joué. Mais décolle sa rouge. Après, attention. Il, hein. La jeune âme. Il est un peu dans l'obligation à ce que ça se passe comme ça vis-à-vis de la table. Il a ça. Ça même, ça se passe bien. Oh la manche. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais mon acolyte David Carnero a décidé en 2015 d'être sage. Vous avez pas remarqué là depuis 5 minutes qu'on a commencé, t'es tout sage. Ouais. Hein? C'est vrai. Nouvelle résolution, tu vis la crise de la quarantaine bientôt. Mais écoute, il fallait pas me parler. Et t'as... du coup. Alors, il a servi à continuer à attaquer. Oh, de toute façon, en plus, il a. Comment il va aller chercher? Il va la jouer tout de suite en bande. Ça rouge, non? Tu la sens pas comme ça? Ça rouge qui est prête de la jambe. De toute façon, ou il a loupé sa remplace, on est d'accord, ou alors il va jouer le travers. Ouais. On est bien d'accord. Et moi, je pense qu'il a fait exprès pour jouer le travers. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça sent. Hier aussi, il m'en a fait quelques-unes des bandes. Et moi aussi. Propre. Il m'en a pas loupé beaucoup. À un moment, il s'est même permis, sur une table que tactiquement j'ai bien en main, il m'a fait une bande avant. Alors, tu vois qu'il est, il est pas contact, il est pas smoky. Il m'a fait une bande avant pour prendre le trou. Ouais. Vraiment propre. Ah, c'est magnifique, avec un petit décalage, c'est vraiment bien joué. Il n'est pas hésitant du tout. Quoi. Non, sur ses coups, tu le vois, de toute façon, il n'est pas hésitant. Moi, contre moi... Il se met devant la table, il regarde, et une fois qu'il est en position, il ne va pas hésiter. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait, notre arbitre? Il se met tout nu. Arrêtez! Je suis traumatisé, c'est une drôle de vue là. Ouais. Alors. Magnifique, super placement. Ouais, il est assez propre. Première manche, je pense, acquise. Oh, par je pense aussi. Avec une belle ferme bien propre. Voilà. Le ton est donné. 1-0 pour Yasser. On sent la détermination, l'application. Jérémy, il faudra rebondir de suite. Jérémy, c'est vrai que le chiffon. Je comprends pas. Une petite trace de bleu. Et après, ouais, frotte la blanche avec. Ah, d'accord. Tu frottes le tapis, après tu frottes la. Non. Qu'est-ce qui t'arrive, Patrice? T'es fatigué en 2015? Fais plutôt l'inverse. Par contre, ils ont moins d'argent, on n'a pas eu de bouteille d'eau. Non, fini. En 2015, plus d'eau. C'est fini ce temps-là. Ça a bien changé. On a senti un adversaire quand même assez costaud. Il a fait une petite bévue d'entrée. Après, c'était tout. Et derrière, il s'est remobilisé. Honnêtement, je le sens costaud là. On va voir sur la seconde, mais sur la première, il est dans la continuité plutôt de ce qu'il a fait hier. Il a fait un super tournoi hier. Il a commencé à 8h du matin. On a fini, je vous dis, à 2h30. Il a fait un super tournoi avec des beaux matchs. Des matchs plus faciles comme en 8e de finale contre M. Carnero, mais bon, ça, t'as, dans un tournoi, t'as toujours des matchs plus faciles. C'est vrai. Et alors, ce qu'il y a de bien, pour le soulager, en demi, il a eu presque un blanc.
T'imagines quand même, Roger, on sait recevoir nous. Oui. Ah bah oui. Il a fait des kilomètres et tout, en avion. Et l'avion. Et nous, on sait recevoir. Il fait pas chaud. On est des gentlemen, franchement. Donc, il y a Serre, alors on t'a accueilli très contre, gentiment. Maintenant, c'est fini. T'oublieras pas de partir de nous payer quand même. Ce qui était dit. Alors, Jérémy, il passe comment? Pleine tête première, sans en poche, la blanche a failli, mais non. Ah, belle casse. Petite table. Ouais, belle casse. Belle petite table. Alors, moi, je voudrais faire un petit coucou à monsieur Le Prouveau, un internaute qui nous a envoyé un petit message au mois de décembre. Donc, un petit coucou à lui et merci pour son petit message, bien amicalement. Alors, maintenant, partir sur le rouge. C'est pas la table la plus facile. Hein. Deux petites difficultés quand même. Ouais. C'est pas encore fait. C'est pas la table la plus facile, mais. Rouge collé bon, on est une rouge qui est entourée de la noire et des jaunes là. Comment il va aller chercher? Bon, là, il a le bille sur bille, mais il a quand même une autre difficulté. Il a celle qui est à côté de la noire, comme tu dis. Alors là, déjà, le bille sur bille, il faut bien le jouer pour pas que l'autre reste bien collé. Il a bien fait. Il a bien fait. Il va essayer d'aller chercher tout de suite la rouge qui est à côté de la noire. Ah, en plus, il faut dire que là, il peut pas se couper. Hein, parce que là, les jaunes, c'est... Ah, mais il a pas le droit. Il a pas le droit. J'ai du beurre. J'ai du beurre. Beau petit open encore. Félicitations aux organisateurs. Ouais. C'était nickel. Bravo aussi à Olivier et de la maison Toulet ainsi que Christophe pour le niveau des tables qui a été rectifié. Il n'y a pas eu beaucoup d'incidents. Non, mais en plus, à ce niveau-là. C'est hyper compliqué, il faut, faut pas croire. C'est que non, c'est, pour ça c'est du démontage, du remontage, voilà. Du démontage, du remontage. Et chaque non, fois, c'est facile de critiquer, plus, mais il faut les, voilà. Remercier. Voilà, quoi. Plus ça va, plus c'est du boulot, puisque les billards sont pas neufs. Ouais. Et il faut savoir qu'ils arrivent le mercredi, ouais. Que c'est quand même pas mal d'heures de fatigue. Donc c'est vrai que, comme tu dis, Olivier, moi je tire mon chapeau. C'est comme dans des staffs, en fait, c'est des gens qui sont dans l'ombre et, ouais. Et qui puis, sont souvent traités comme, pour pas dire de gros mots, comme ouais. Des chiens, alors que sans eux, ben, on n'aurait pas la possibilité de jouer sur de telles tables. Donc bon, un grand merci à Olivier. Je fais un coucou, mon livre. Alors, celle-là, il peut la jouer au fond, d'accord. S'il s'ouvre, mais comment il va aller chercher la dernière? Moi, c'est la question que je me pose depuis le début. Mais, vu qu'elle passe ici, je pense qu'il veut se mettre l'angle sur l'autre et le jouer au plus simple, sans aller la chercher. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ah, celle-là, il va. Par contre, il fallait la mettre. Ah, voilà. Là, il a tellement voulu sortir. Par contre, il n'est pas très bien. Là, il n'est pas très bien. Alors Yasser, il a la solution de jouer au milieu, de se remplacer de suite. Pour le pouce-pouce. Pour le pouce-pouce. Ouais. Ou je fais le pouce-pouce tout de suite. Moi aussi, hein, perso, c'est la seule difficulté qu'il y a sur le... Fais ça, sur, tranquille. Voilà, sur les jaunes, voilà. Ou alors, s'il se sent bien, il peut jouer la jaune au milieu, mais bon, voilà. Ah. Ouais, il peut venir de bande et jouer jaune au milieu, après. Si on te dérange, tu le dis. Hein. Il arbitre mon copain Fabrice. Voilà, il l'a fait tout de suite. Là, en fait, il a pas fait le bille sur bille. C'est pas grave, t'as pas suivi. Oh non, on peut pas tout faire. Je te fais confiance, on est deux. Il a pas fait bille sur bille. Il a fait quoi là? Il est passé sur le côté, donc il a à peine touché. C'est pas grave, Roger. Mais pardon. Alors, il veut pas prendre le risque. Hein. Non, mais je pense que c'est pas mal joué. Par contre, il faut juste la poser. Il la joue. Ah, il veut faire le tour quand même. D'accord. Autant pour moi. On va laisser passer pour jouer la longueur tout de suite. C'est pas. C'est bien vu. Tu sais. Et c'est pour ça que je te dis, moi j'aurais. Mais après moi, il m'a gagné. Il n'y a pas de problème. Mais là, quand, vu comme ça, je sais pas si je l'aurais fait. J'aurais peut-être posé au milieu pour jouer celle-ci et parce que là quand même il a de la distance et en plus ouais, mais... là ça, il se revient à la même, hein. C'est qu'il est obligé à faire une replace, ou alors il passe au milieu.
sans forcer le coup, c'est-à-dire pousser, tu vois, dans l'angle, on ne le voit pas trop. Tu penses qu'elle passe là ? Eh bien, c'est ce que je te dis, je ne sais pas. Mais là, il est obligé à sortir. Oui, ouais, mais c'est ce que je te dis. Il n'a pas beaucoup de distance, David. Pour lui. Je te parle. Il a pas beaucoup d'angle. Ouais. Donc, où il fait, il va prendre le risque de faire un rétro parce qu'il est presque droit. Parce qu'elle passe ici, à droite, là où il y a la rouge, ouais, dans la poche de la rouge. Ou alors, il va ressortir pour jouer au milieu. On va voir tout de suite ce qu'il a décidé. Donc elle passe au milieu comme j'avais dit. Voilà. Donc tranquille. Ouais, vu comme ça, je sais pas. Ou alors, mais on voit pas très bien, hein, mais. Non. Elle doit bien passer, je pense. Je pense aussi. On va voir ça dans une petite seconde. Oui, elle passe bien. Ouais, elle passe bien. 2-0 pour Yasser dans cette finale de toute catégorie. Bon, là on sent que c'est costaud, il a été averti, notre voilà, ami Jérémy. Et il faut qu'il fasse attention, ça peut dérouler parce que Yasser, on l'a vu qu'il n'est pas là pour acheter du terrain. Oh non. Même si. Il y a pas des kilomètres pour rien. Tu vois rien ? Hein ? Tu vois pas ? Non. Je suis miro. Par contre, tu commences pas à envoyer tes pingos sur mes fringues. Ah non, t'inquiète. Je gère. Alors quand ça y a serre en plus, hein. On est bien, d'accord. Pendant ce temps, Jérémy Ferry qui vont en 8e, Lionel Fonval. Ça va Juju le Panini ? Emmanuel en quart. On va faire un beau petit tournoi. Ça tombe et la manche aussi. Ah, blanche. Donc là, Jérémy, il faudrait qu'il nous fasse une petite ferme. Ah, de toute façon, il faut qu'il prenne cette partie. Voilà. Là, il n'y a pas photo. Ah, 3-0, c'est le premier en 4, je crois, non ? 5. En 5, d'accord. C'est bien, David. Vétéran, c'est en 4. Tu viens d'arriver ou quoi ? T'es fatigué, nous, non ? C'est les fêtes, c'est le résultat des fêtes. Excusez-nous, c'est dur. Hein. Ouais, mais pourtant, je. J'étais tout seul. On va essayer de décoincer la rouge ou les jaunes. Plutôt les jaunes à mon avis. Oui, il va envoyer bille sur bille et rester là pour jouer les jaunes au fond. Je voilà, pense. Voilà, et les deux jaunes sont débloqués. Voilà, impeccable. Et il a bien fait, je crois. Colle les deux rouges. Je crois qu'il a vraiment bien fait en plus. Ah ouais, hein, c'est magnifique. Non, c'est ce qui. Il a beaucoup idéal. Ouais, il a pas joué très fort. Il a. Mais non, c'est là je pense que. Alors, vu comme il est, il va s'arrêter sur la rouge. Hmm. Ouais, ce serait bien. Le problème, c'est qu'il faut qu'il se mette un petit. Voilà, il faut pas qu'il ait de l'angle vers les rouges. Donc, il peut. Voilà. C'est bien joué. On repousse un peu la rouge. Non, mais de toute façon, il n'a pas le bon angle, on est d'accord. De toute façon, où il joue, la vue de la situation où il est, voilà. Là, il est en train de regarder pour voir s'il passe au fond pour faire différemment, mais je crois qu'il aurait dû regarder avant. Hein. Ouais. Parce qu'il n'aura pas le choix que de jouer la jaune au fond, sinon. Et tu vois, du coup, il change d'option. Pas le choix. Mais il s'est mis une petite difficulté. Non, mais peut-être qu'on dit ça, mais qu'elle passe au fond, hein. Je sais pas. Tu le vois pas bien, c'est... là. Ouais, c'est... On le voit pas bien. Je sais pas, soit elle passe ou soit il va devoir la débloquer. Donc. Non, ou soit en jouant au milieu, il vient s'arrêter sur un des rouges et il peut finir dessus. Tu vois ? Ouais. Mais c'est plus compliqué maintenant, on est bien d'accord. Même. Ne t'énerve pas. Moi ? Jamais. Toujours cool, moi. Ah. Petit placement après. Maintenant ou après ? De toute façon, moi je sors la jaune, hein, qui est à côté de la noire. Ouais, moi aussi. Je prends pas le risque de la jouer. En plus, elle est, la remplace n'est pas facile dessus après. C'est loin d'être simple. Ah, par contre, là, il faut bien qu'il ressorte. Hein. Bien mettre l'effet.
pour se mettre le bon angle. Et voilà, ça va. Il n'y a pas crise, messieurs dames, il n'y a pas crise. Alors qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je ne sais pas s'il passe au fond, Roger. C'est compliqué là. S'il passe au fond. Si ça se passe pas bien. Non, mais moi je la pousse pas. Moi perso, je la pousse pas. Il joue celle au fond. Merde. Tu vas te calmer. Et bon, le panini. Pécable. Voilà, parce que on a Julien Leroux à côté de nous et il envoie le gamin. Il envoie les coups de Chico. Il a et pique le panini. Il a vrai. Alors, le pire, s'il touche une rouge, direct au fond. Oh, elle est bien jouée. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Il n'y a rien à dire, elle passait en fait. Fallait la mettre là. Ah ouais. Ouais. Toi, t'aurais touché laquelle? Je sais pas, mais je refais. Non, franchement, elle est bien jouée. Ouais, bien jouée. Il n'y a rien à dire. Je pense qu'il a compris qu'il fallait se remobiliser. Calme-toi, bijou. Calme-toi, bijou. Là, t'en as mis pas. Alors, par contre, c'est maintenant que, en fait, quand tu mets une bille, tu vois, comme la bille qu'il a mis au fond, souvent c'est là où on le sait en plus, qu'il faut prendre plus de temps parce que du coup, tu vois, il a quand même lâché. Moi, il a lâché le coup. Ça veut pas dire qu'il va Yasser. Il a vu qu'il était dans l'angle. Oui, il s'est levé. Il s'est levé pour lui montrer qu'il était là. Tout de suite, il s'est levé pour dire voilà, je vais pas te gêner, je bouge avant que tu te mettes en pleine tête. Bien joué. Bravo. Bien joué Jérémy. Et c'est à lui la casse. Donc là il lui a montré à Yasser que voilà. Fais pas d'erreur, je suis là. Je suis pas en finale par hasard. Ce qui est logique. De 1 pour Yasser. Il est tani. Bon, pas mal tout ça. 2-1, ouais, 4, ouais, t'as raison, c'est la casse à Jérémy. Mais je sais que j'ai raison. Oh ouais! Alors, par contre, je suis agréablement surpris, pardon. Il y a beaucoup de spectateurs et c'est chouette. C'est chouette de tourner la tête et de voir autant de monde dans les gradins. C'est sympa pour notre jeu. Ouais. Ça prouve aussi que il y a de l'engouement pour la discipline. Et que Stoppen a attiré du monde aussi, ça veut dire beaucoup de choses. C'est que l'Open en lui-même, je trouve qu'il a été très bien organisé. Très bien organisé, il y a eu du monde tout le week-end. Lui, il nous refait un striptease, lui, regarde-le. Oh, ah non, mais là, l'arbitre, ça fait deux fois qu'il s'y fait. Mais il devient fou, quoi. Et je voyais des gens faire le ménage tout le week-end, incroyable. Ouais, par contre, franchement, ça aussi, ouais. Moi, un je tiens à féliciter. À ouais. Ils ont bossé tout les toilettes, ah oui, devant le bar. Honnêtement, ils étaient là, enfin tous les jours, toutes les heures pratiquement. Ouais, ouais. Beaucoup de fois dans la journée. Hier soir, ils sont restés tard. Hein. Bravo. C'est quand même agréable. Alors, il a cassé, il a rien mis. Voilà. Et il y a un jeu de jaune. Il y a un jeu de jaune qui est pas mal. Ouais. Il y a une difficulté qui est. Une difficulté qui est exactement là, de suite, il l'a devant la difficulté. Alors le truc, c'est que peut-être que la jaune à côté de la rouge, elle passe là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Celle-là la jaune qui a presque collé à la rouge, on va dire. Peut-être qu'elle passe au fond. Si elle passe au fond, qu'il peut la mettre, il peut jouer l'autre au milieu. Ouais. Je vois pas bien d'ici, mais on dirait qu'elle passait. D'ailleurs, je crois qu'il la joue. Alors. Il ajoute de suite, il prend le risque. Ouf, et ça tombe pas. Alors par contre, je sais pas s'il peut confirmer facilement là. Gentil. Elle passe. Tu la vois toi. Ouais, d'accord, elle passe. Alors, par contre, je suis un peu étonné. Yasser, ouais, moi aussi, je suis étonné. Il a joué vite, tu sais. Ouais, vite, parce qu'il a fait son analyse comme d'habitude, mais ouais. Du coup dans l'exécution, il s'est un peu jeté. On aura 10 mois. Il a bien fait, honnêtement, il a très très bien en fait. En plus, regarde, celle-là, il peut la jouer au milieu. Et le pire, c'est que c'était ce qui manquait. Parce que cette bille est passée que là.
c'était la difficulté. Alors 6 pouces. Okay. Ben ouais, il joue bien, il le fait bien. Pour l'instant, il le fait bien. Attention là au placement, parce que la jaune, elle n'est pas dans la poche. Il va falloir redescendre. Alors, moi, je s'il a un peu d'angle, il a de l'angle. Ouais. Bon, non, je pense qu'il est. Sinon, il fait carreau et il garde l'angle de nature pour sortir. Ou alors, s'il a un peu d'angle, il vient taper un peu la bande, mais il faut qu'il se garde un angle. S'il se met tout droit, ça va pas le faire. Voilà, il fait carreau. Là, faudra quand même. Alors, par contre, attention, il faut quand même. Pas se snooker. Voilà, pas se snooker. Donc, est-ce qu'il va vouloir sortir droit ou il va. Moi, je mets l'effet de bande. Ouais, demande et tu ressors entre la rouge et la noire. Tu ressors tranquille. Tu ressors tranquille. Alors, ça, c'est pareil. Il faut savoir que sur ces billards-là, il faut vraiment avoir de l'application sur ces coups-là. Ah, il l'a fait parfait. Il l'a fait, mais par contre. C'est bien, il n'y a pas pris de risque. Non, tu sais, je suis d'accord. Mais il y a quand même une petite difficulté. Encore, mais non. Est-ce qu'il va essayer le pouce-pouce tout de suite? Et c'est ça, c'est ce que je veux te dire. Je ne prendrai pas le risque, moi. Parce qu'elle est un peu décalée de la poche et à tout moment. Ça peut tomber. Voilà, moi, je. Tout moment, ça peut tomber, grêler. Non, mais Julien, il faut que tu arrêtes de manger. Ah ouais, mais là, il y a. Ah ouais, dans ce compagnie. Là. Julien, tu arrêtes là. Arrête. Faut arrêter l'hémorragie là. Ouais. Il m'a dit qu'il mangeait plus. Mais ah ça, non, c'était mais... hier. Hier, il n'a pas mangé. Il se rattrape aujourd'hui. Eh oui, messieurs, dames. Sacré juge. Alors, par contre, s'il passe derrière la rouge, qui se met vraiment droit pour la poche au fond, il a juste à la poser la noire en face. Moi, je sais pas ce que je ferais. Eh bien, lui, va faire le travers nature. C'est peut-être pas mal non plus. C'est peut-être. Non, mais je dis pas. C'est moins risqué même. Ces billards-là, avec la bande. Non, voilà. C'est pour ça que j'ai du mal à les jouer, moi, sur ces bandes-là. Il faut vraiment être vraiment. Attention, ça glisse fort. Faut être chaud bouillant. Chaud bouillant. Alors, s'il se sent en confiance, il va la jouer. Et puis voilà, à mardi. Hein. Là, il a bien. Et là, il est pénalty. Bien joué, Jérémy. Donc, il a très bien vu et ça peut faire 2-2. Ça peut faire 2-2. Et là, il lui manque lui aussi ses jambons. Pénalty sur la noire, il prend son temps, il se relève. Ouais, par contre, c'est bien, il s'est relevé, tu vois. Il a. Position assez droite quand même pour Jérémy. Ouais. Bravo. 2-2. Voilà, belle finale engagée là. Ça y est, c'est parti. Alors tout à l'heure, c'est Jérémy qui a fait la petite erreur et Yasser lui a montré direct que. Et là, c'est Yasser qui a fait la petite erreur et voilà. Ils sont présents, tous les deux. Pour l'instant, c'est une belle finale parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de déchets. Il faut dire ce qu'il y a. Et lui, il continue avec son chiffon. Ouais, il va nettoyer la manche avec le même chiffon. Ah! Il fait démentir. Non, là il prend le tapis en fait. Tu vois, il va l'attraper après le chiffon, il va le grappiller. Ah, un petit arbitre. 2-2, casse à Yasser. Oh mince, je baille, excusez-moi, je suis assez dormi. J'avais plus de mon âge, ces conneries. J'étais bien fou. Ouais. Alors, heureuse? Heureuse, ça se passe bien? Ça va belle vie. Alors, Julien, rassasié, tout va bien, pépère? Et hey, y'a Big. Alors, Yasser, toujours aussi minutieux, il va toujours voir le petit triangle. Petit coup d'œil au triangle pour voir si l'arbitre a bien fait son boulot. Ouais, il t'a l'œil lui. C'est comme ça maintenant. Non mais des fois. Ouais. Erreur, c'est pas que l'arbitre fait mal au boulot, mais c'est des fois ça peut arriver qu'avec ces triangles belle en casse, bois. Belle casse, pleine tête, jaune empoché. Alors par contre, je pense que là c'est chaud bouillant quand même. Parce que les jaunes sont belles. Il y a juste un petit problème avec la noire. Il faut juste bien s'y replacer dessus parce qu'elle passe du côté opposé des rouges. Elle passe au milieu et il faut que c'est un placement. Tu sais, elle passe au milieu là. Au milieu là ? Ouais, elle passe.
Ouais, doit passer. Je vais pas t'affirmer, mais je le vois d'ici. À ton âge, je vais te respecter parce que t'as un peu de mal. Oh ouais. Vous avez vu, il était gentil un petit peu pas longtemps. Qui? Moi, je connais pas. T'as raison, Patrice. Faut se méfier. Faut bien les placer, les billes. Oh, il se rappelle lui. Ouais, ouais. Ben oui, hein. Bah ouais, quand même. Hein. Eh oui. Mes bijoux. T'as oublié. Bah, pour acheter de tas, non. Donc, jeune confirmé pour notre ami Yasser. Bah, ça y est, regarde, regarde. On est déjà sur le bazar. Impeccable. En plus, il doit toucher à aucune rouge, tout passe. Non, mais honnêtement, le boulot, c'est vraiment pas de toucher à une rouge, comme tu dis. Par contre, ça va. Il la voit, tu le vois, toi. Chaud. Ouais. Honnêtement, chaud, il est obligé à piquer, là. Donc, il faut qu'il coule avec de l'effet, qu'il glisse pour passer. Non, non, mais en plus, le problème qu'il y a, c'est que les trois quarts de chemin, ce qu'il a à faire, c'est il y a la rouge. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il fait pas un virage de suite. Oh là là, bougie qui t'a pris là. Oh là, celle-là, s'il la met, c'est violent. Il faut pas qu'il mette celle-là. Qu'est-ce que j'ai comme tête encore? Alors, ah non, mais là sur celle-là, je pense qu'il va pas prendre le risque, tu vois, il va jouer celle-là. S'il est souple, rétro, ou alors il va sortir en deux bandes, je sais pas. C'est tout dépend de combien il aime jouer. C'est la noire. Voilà. Oh là là, c'est bravo. Il s'enferme la poche, mais il s'ouvre là. Carrément, hop, j'ai mis. Enfin, c'est bravo. Pourquoi? Parce qu'il faut, avoir le truc de bien la jouer comme ça. Mais tu vois, ce que je te dis, quand il se pose, il réfléchit pas. Enfin, il réfléchit plus. Sa décision est prise. Il bouge plus, il envoie. Hein. Ça, c'est pas dans sa queue, hein. Dans sa main, pardon. C'est ce que je veux dire. Je m'exprime peut-être mal, mais. Famille Leroux, réunis, c'est beau, père et fille. Hein. Là, je dis pas ça. Je dis pas que c'est pas beau. Dans le principe, c'est pas mal. Mais là, de profil, il y a un problème. Moi, je pourrais faire partie de la famille. Toi, ouais, mais t'es hein? Pas aussi. Hein. Ah, j'ai du travail, bon. Mais. Alors, faites un petit bisou. Alors, Yasser, il a joué le billet sur billet, mais en fait, maintenant, il est obligé à ressortir pour rejouer. Ou alors, il arrive à pousser la rouge, ce qui est dangereux. Ou alors, ressortir pour rejouer la jaune au milieu. Ah, mais il a toujours le problème de la noire. Hein. Oh, c'est magnifique. Oui, mais il va se coller. Oh, putain. Voilà. Ouais. Un point moins fort, c'était parfait. Ouais. Là, par contre, il va pas pouvoir faire. Non, je pense qu'il va jouer le travers. Mais Roger, il va pas prendre le risque. Et vu la confiance qu'il a sur ses. Attends, il y a un jeune, tu parles de quel travers là, je te suppose. Il est par-dessus, il va pas prendre le risque d'envoyer, il va jouer le travers sur la noire, au milieu. Bon, ne m'écoute pas. Ah oui. Je vois pourquoi. Ah, la noire au milieu. Bah tiens. Voilà. Il va pas la jouer au milieu, il va pas la jouer finesse là. Il va jouer le travers, je te dis. Ah oh, mais ne m'écoute pas, m'écoute pas. Si, de toute façon, heureusement que je suis avec toi pour commenter, parce que sinon les spectateurs. Mais écoute. Attention, il n'y a pas un mot. Pas un mot, Jesse Rocheteau débarque. Jesse Rocheteau. Yes. Le travers. Mais il a loupé. Par contre, il a tapé. Il a tapé. Ah, on sentait un peu de crispation. Pas un mot. Pas un mot. Jesse va vous faire un petit coucou. Viens. C'est lui qui va vous le dire. Pas un mot. Voilà. Il a coupé le billard 12. Voilà. J'ai plus d'oreilles. Bon, en tout cas, première petite erreur de Yasser. Sur une chose où en fait petit plan. Parce qu'il a quand même mis vraiment à côté. Ouais. Il a vraiment mis à côté. Et ça m'a un peu étonné parce que il a joué comme on pensait, tu vois. Quand il prend son coup d'exécution trop rapide, je pense que comme c'est pas son jeu, c'est encore des petites heures, ça fait pas très longtemps qu'il joue. Hein, donc merci Seb. T'as pas collé mon sponsor dessus? Et comme ça fait pas très longtemps non plus qu'il joue, on va pas quand même tout lui
y a, c'est pas un reproche, c'est juste quelque chose que je me suis aperçu et que je suis sûr qu'au fur et à mesure il gommera parce qu'il a beaucoup de qualité. Énormément de qualité. Énormément, voilà. Et je pense que. Et c'est pas fini, hein, en plus. Non, puis Yasser, il fait tout pour que développer le pool dans son pays. Il y a ouvert une salle, il fait régulièrement des tournois en invitant pas mal de joueurs français aussi. Il bouge bien et puis au Maroc en ce moment c'est en pleine expansion donc on lui fait confiance. Il y a déjà une salle, ils vont ouvrir une deuxième en mettant 16 billards, 16 poules. Enfin, il y a un beau projet en vue. J'en dis pas plus, on verra. Tout comme moi, je lui fais confiance. Belle table, hein. Pas vraiment de difficulté pour les rouges, pour Jérémy, hein. Pour qu'il passe devant au score. Il n'y a pas de difficulté, mais c'est là où il faut être vraiment. Quand tu sais qu'il y a trois billes au milieu comme ça, il faut être hyper vigilant. Ouais, faut s'appliquer parce que sur un coup, tu peux te pourrir le sens du jeu. On le sait tous que ça arrive très rapidement. Et c'est là où c'est danger. Donc. Et en plus, il se garde bille sur bille quand même. Hein. Bille sur patate, hein. Moi j'aurais pas fait ça. Hein. Moi non plus, honnêtement. Mais après, voilà, si il se sent bien de le faire parce qu'il est bien droit, mais c'est vrai que je pense que j'aurais pas gardé. Ouais, bah, nickel, impeccable. Par contre, je sais pas si, voilà, Yasser menait 2-0, il me semble. Non, mais c'est exactement ça. Et voilà, et Jérémy passe devant à 3-2. Donc attention. Oui, attention, parce que c'est la casse à Jérémy. Oui. 5, 6, ouais, exact. Ah, 3-2 pour lui. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Yasser peut être un peu déstabilisé en fait sans qu'on s'en rende trop compte non plus. Ça peut être ça. Ouais. Parce que sur son visage, ça se montre pas trop, mais j'ai senti une petite différence quand même. Ouais. Donc entre l'agacement et le. Puis je sais pas si c'est leur première finale d'Open. Je sais pas. Ah, Yasser, c'est. Yasser, sûr. Yasser, c'est sûr. Puis ça fait pas, je te dis, ça fait pas très longtemps. Et moi, j'ai pas eu le la chance d'aller faire un tournoi encore chez lui et donc peut-être qu'il a fait d'autres finales chez lui ou dans d'autres tournois, mais je sais qu'en France un Open FFB, non, c'est sa première. C'est sa première. Ensuite Jérémy je ne sais point. Alors les filles ça a envoyé de la serpette. C'est fini. Ah oui, notre ami l'event, ça a fait la même et c'est très serré. Ouais. Finale du Black Ball et notre finale open. Hein. Ouais. Et oui, c'est bien ça, Jérémy à la casse. Ça va vite. Il ne rigole pas. What happened? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Hein? Oh. Effectivement. Encore un droit à défiler ou quoi? Remise des prix, on aura des bisous. Vanessa, ça va ou quoi? T'as passé une belle après-midi? Impeccable, tout va bien. Bim. 4-0, une ferme. Pourquoi tu joues pas pareil? Oh, la blanche. Ah, belle casse, la blanche qui rentre au milieu, laissant une super table à notre adversaire. Ah, par contre, il doit être un peu cassé parce que les deux casses qu'il a fait, il n'a pas fait une casse en ayant une blanche qui est partie vers le milieu ou quoi, toujours. Alors par contre, il n'a pas rouge, laissé un super truc, mais rouge, avec suivant la première visite, hein, c'est toujours pareil. Voilà, de toute façon, le problème, il est là, on le sait. Comme un fou. Comme un fou, dit notre ami Claude Champou. Eh oui, on est bien. Ah, tata. Ah. Féminine, c'est plié. Alors, qu'est-ce qui passe? Ah, tu passes pas devant. Messieurs, dames, excusez, bouteille d'orangina. Voilà, l'arbitre. Table de marque. Mais souris au moins. Fais pas la tête, t'es fatigué ou quoi?
Voilà, il a fait arbitre de temps chez les femmes, il en peut plus. Il vient fou. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait notre ami Yasser? Moi, je suis pas fan. Mais je suis pas fan. Ça se passe bien, tout va bien. Mais voilà, ça se passe bien. Et il faut vraiment que là, il soit appliqué. Parce que là sa première visite, les rouges sont quand même pas au top. Hein. Ouais. C'est décalé. C'est à savoir que la rouge, là, qui a juste à pas loin de la jaune ici, il faut bien se replacer dessus. Par contre, ça, c'est un beau petit placement. Bravo, fallait le faire. C'était loin d'être simple. C'est maintenant que ça va se jouer, je pense. C'est maintenant que ça va se jouer. Ouh. Ah, il s'est pas bien mis, voilà. Du tout. Il est pas collé, mais presque. Ouais, mais je pense pas qu'il sait voir la seconde rouge. Je pense qu'il la voit pas. Oui. Au fait, je voulais envoyer un petit bonjour à notre petit Romain Balança. Tu viens plus à nos soirées, Romain? Bah pourquoi? Parce qu'il a bobo aux muscles. De toute façon, c'est dangereux de venir chez toi. C'est fatigant. Ah bon? Alors par contre, qu'est-ce qu'il veut faire à ton avis? Il va pousser à la poche. Mais je sais pas s'il passe. C'est ça? Est-ce qu'elle passe vraiment? Moi je vois pas d'ici. Tu vois, elle passe pas. Alors par contre, le danger qu'il y a maintenant. Alors attends. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, c'est bon. C'est monté à ton cerveau? Ben je sais pas, hein. Seb, à un moment il faut qu'il écrive, hein, comme il faut. Mais c'est la belle. Alors par contre, tu vois, par contre voilà, si le problème, si l'empoche est là, il va y avoir problème pour Yasser. Oh. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la pousser autant? Mais en fait, il joue l'autre au milieu, on est d'accord. D'accord. Donc, je pense qu'il a eu un coup de chaud. Un coup de chaud, ouais, parce que c'est pas très bien ça. Bon, pépère, hop. Reprends ton fil. Prends tes affaires. Je vais te casser. Mais je comprends pas pourquoi il a fait ça. Moi non plus. Alors tant mieux pour le spectacle. Ah, tant mieux pour l'ISR. Du 3-3. Ah. Mais c'est pour ça. C'est. Là... Mais je comprends pas, il lui a laissé une bonne option de mener. Ouais. De mener et de faire le break. C'est étonnant. Mais ça arrive un petit coup de chaud. Hein. On joue vite, on sent mal un peu, on sent qu'on est chaud et bah non. Ouais, c'est bien mis le longé, petit rétro. Un beau petit placement là, pour Yasser. C'est jamais facile. Rien n'est facile au billard, on le sait tous. Voilà, impeccable. Il a pousse. Coulé, noir au milieu, ou stop shot, noir au fond. Il fait comme il veut, il est bien. Il est parfait. Ah bah c'est gros coulé. Envoie. Il a pas peur de les envoyer. Ah non, mais lui, il envoie bien ça. Je te dis, sa queue ne reste pas dans sa main. Il envoie. Petit temps. Pas une grosse difficulté, mais il faut bien s'appliquer. Voilà. 3-3. Et allez, Yasser la casse. Jérémy a eu l'occasion de mener 4-2. Attention. Ouais. Rien n'est jamais fini. Son petit chiffon. J'ai réussi à enlever le morceau de poulet
que j'ai du Panini que j'ai depuis. Alors je t'explique. Ça fait quoi? Ça fait combien qu'on est en train de truc là? 16 minutes. Le bordel, ça fait 3 quarts d'heure. C'est ce que j'allais dire. Il est là, coincé. Voilà. Maintenant je me sens mieux, je peux poser et tout, les gars, c'est parti quoi. Voilà oh, pourquoi t'es perturbé. Et ouais, j'étais... Marco il nous regarde, il rigole bien, mais non, on est en train de faire le con. C'est énorme, sérieux, les panini poulet les gars, prenez ce qu'il faut après. Faut prendre la brosse à dents après. Ah oui. Est-ce qu'il va nous vérifier la position des billes? Ouais, j'allais dire, il ne le fait pas. Voilà. Très ça, méthique. C'est les coups de chiffon. Très méthique. La peluche. Voilà. Casse toujours pleine tête. Première bille. Alors, est-ce que ça tombe? Ah, la blanche. Normalement, il fait la même chose que Jérémy. Il rentre la blanche. Et là, c'est chaud. Parce que deux visites, une belle table. Par contre, la table. Il me donne 4-3 et casse derrière. Ah bah, voilà. Donc, c'est danger. Danger. Alors, de suite, moi, j'annonce, c'est rouge. J'annonce, c'est rouge. Et la seconde chose que j'annonce, c'est que je colle la jaune qui a pas loin de la rouge, là. Je la colle à la bande pour me permettre de bien. Tu vois la jaune là. De jouer les deux tranquillement. Hein? De jouer, de prendre. Non, mais exactement, de prendre moins de risques. Mais j'y vais. Mais je sais pas, je pense qu'il va jouer jaune sur rouge au fond, alors qu'elle est pas très dure. Il peut même finir dessus. Mais après, s'il veut bien se coller à l'avant avec la blanche, c'est pas mal. Ça peut le faire aussi, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est pas bête. C'est pas bête. Ah, c'est pas très bien joué. Ça va. Ça va. Je pense qu'il voulait faire ce que tu lui as dit. Ouais. Ce que tu as après, dit. Après, il reste avec la rouge au milieu. Oui. Parce que là, du coup, on est bien d'accord que c'est plus la même. Ah bah non. C'est bien d'avoir un casque sur les oreilles, mais quand les oreilles te grattent, tu fais comment? Tu penses pas? Monsieur Omar, on a un nouveau finaliste. Qui va faire sa petite finale vétéran. Contre monsieur Franck Maillard. Qui a fait une super demi-finale. Ouais. Omar avec sa nouvelle coupe de cheveux. Bisous fort Omar. Mes compatriotes d'équipe. Alors par contre tu vois il est en train de regarder. Pour faire de suite la replace pour la jouer. Ouais, mais par contre c'est dangereux. C'est dangereux. C'est vraiment vraiment dangereux. Non je te dis, je te l'ai dit, c'est dangereux. Ouais, je suis pas adepte de tout ça. Parce que là du coup. Non mais c'est pas adepte, tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que c'était pas bien. Moi pour moi, il savait que c'était pas bien, du coup il a joué entre deux. Je suis libéré tout de suite, il faudrait le faire. Non mais en plus il a joué entre deux et du coup regarde, parce que c'est pas la même. Hein. Il va encore devoir toucher une jambe. Et c'est quand même pas si mal d'avoir envoyé la jaune ici. T'es le Didou Farley. Oh oui. Skywalker. Ouais. Alors il a empoché. Alors attends, regarde s'il te plaît. Après, je peux pas, je fais un bisou. Il a empoché la rouge finesse, mais je sais pas s'il passe ici. Non. Il sait snooker. Il sait snooker, copain. À moins qu'il joue celle-là en léger massé, mais il s'est mis dans le caca. Alors, par contre, il faut qu'il joue intelligemment si c'est snooker, parce que ça peut lui faire mal. Hein. Il contrôle l'antilopage. Puis là, il y a eu du travail. Il y a les Blue Blues qui arrivent. Hein. On a tout fini. Il y a l'ambulance. Ah, je vous en étais sage au début, maintenant on se lâche. Alors, total, pas total, on regarde. Je crois qu'il doit pas être loin. Pas être loin, moi je dis. Du total. Du total. Parce qu'en fait, elles sont dans l'axe, les deux là, et souvent c'est piégeant. J'ai pas vu. Ah, faut qu'on voit ça.
il est quoi? Total, pas total. Alors c'est un coup vraiment, là il faut qu'il soit appliqué vraiment, parce que là, ça peut lui coûter cher. Ça peut lui coûter cher. Oh, il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien parce que la, la jaune, je crois qu'elle ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a faute. Il a fait faute ou quoi? Je comprends pas la discussion. Là. Il y a faute, il y a faute. T'as rien? Qu'est-ce que Patrice est en train de dire à la salle? Je comprends pas trop, mais bon, c'est pas grave. Alors, toujours est-il, Jérémy s'en sort pas trop mal. Pourquoi? Parce que, en fait, du coup, il a mis deux difficultés. Tu vois ce que je veux dire? Il a mis deux difficultés, donc sur le coup. Le problème qu'on disait du départ, tu vois, quand on disait la première visite, quand même, il se serait appliqué à se coller à la banne, et ce que je trouve qui était pas très compliqué. Honnêtement, parce qu'il a joué le coup fort et la priorité, elle était vraiment de coller la blanche sur la bande. Hein, ce qu'il n'a pas fait, et regarde, tu vois, à la fin, ça lui a coûté peut-être la partie. Alors, on va voir comment il va faire. Alors, je pense qu'il va vouloir faire le coup. Voilà, mais c'est pas très. Oh. Wow. C'était pas très bien joué. Je sais pas aussi fort, je sais pas. Là, ça devient juste là. Tiens. De savoir pour le double. Alors il lui a remis un smoke, ce qui est pas mal joué. Ouais. Alors par contre il peut faire là il lui a laissé pile poil je crois pour attaquer. Il peut prendre le risque d'attaquer. Alors est-ce qu'il va le prendre? Je sais pas. Moi je pense qu'il va pas se. Il va le faire. Il va l'attaquer de suite. Il va prendre son. Ouais, il va prendre le taureau par les cordes. Voilà. Il a jeté tout de suite. Voilà. Voilà. C'est bien, il a sorti. Alors par contre, est-ce qu'il peut la rejouer? Peut-être pas de suite. Jouer celle en bas à droite. Ah, il a plus le choix. De toute façon, il a plus le choix. Ouais. Il n'y a pas le choix, il faut finir hein, près derrière parce qu'il est pas. Ah, il va jouer finesse. Jouer finesse et décoller celle qui a la bande peut-être. Oh, il prend la poche. Ah, il voulait la mettre. Hein. Ouais. Il voulait la mettre. Vu comme il a joué, il voulait la mettre. Mais il s'en sort. Et il s'en sort. Il joue vite là. Ouais, il s'en sort pas mal. Bon, il est peut-être un peu tendu. Ouais. Il est peut-être un peu tendu. Alors par contre, notre ami Jérémy, le port n'est pas arrivé. Ah, il va bloquer la jaune. Ou pas. Ouais. C'est pas très, très bien joué. Hein. La blanche, il a laissé. Pourquoi jouer si fort? Je sais pas. Il ne prend pas de risque non plus. Il a poussé sa jaune. Est-ce que la rouge passe au milieu? Je pense pas. Il s'ouvre la table. Je sais pas ce que Jérémy peut faire. Quand elle pousse, je pense pas qu'elle passe. Mais si le travers passe, moi je le joue assez fort. Elle passe pas.
il va bloquer la noire. Moi j'essaierai peut-être. Parce qu'au milieu, s'il joue le bille sur bille et à mettre la jaune, c'est dangereux quand même. Hein. Puis, si on fait le bille sur bille, ça, la rouge qui joue va dégager. Regarde. Ah, elle dégage. C'est pas très payé. Hein. Parce qu'il a pris le risque quand même de. Il peut faire le travers comme ça. Ah, mais là, il peut le faire le travers, ça c'est sûr. C'est sûr que le travers, il peut le faire, il y a rien à dire. Pas facile tout ça, mais bon, c'est faisable. Par contre, sur un angle comme ça, avec ces bandes, il faut vraiment, vraiment jouer fin. Hein. Parce que même si, mais non, mais en plus même si je joue bande d'avant, c'est pas grave. Mais il faut être sûr de pas choper là. Il a bien fait, il a très bien fait et... Par contre, ah, il a pas de réussite. Ouais. Il a pas de réussite. Honnêtement, ça méritait mieux. Alors, est-ce que c'est de la réussite ou est-ce que c'est simplement mal joué pour avoir pensé à sa bande? Sûr. T'appelles ça comment? Mais c'est de la réussite. Alors vu comment elle a fait la blanche, tu vois, il joue bien de passer derrière la rouge là-bas. Ouais, est-ce qu'il veut toucher peut-être à la je sais pas. Après, tu as peut-être raison dans le. Non, mais c'est la question que je pose. Parce que pour moi, ça, c'est pas de la réussite. Il y a un coup joué un peu trop fort ou pas assez. C'est possible. Alors, moi, je sais pas dans son cerveau pour te dire vraiment ce qu'il jouait. Ouais. Est-ce qu'il a pensé juste à l'empocher de ce billet-là? Moi, je ou pense. Pas je vais pas me. Vu ce que la blanche a fait. Je vais pas me. Parce que là, comment dire, je vais pas m'exprimer là-dessus parce que pareil, il jouait vraiment pour. Oh là, il touche pas en plus, il fait faute. Il donne de quoi à serre. Je pense que le coup l'a un peu agacé, je pense. Oui, oui, c'est sûr. Il n'aurait pas joué si fort. Ouais. Il n'aurait pas envoyé si fort. Ouais, c'est un peu agacé. Ah, de visite là, bien sûr. Ah oui, bien. Ce n'est pas la même chanson. Et là, tu sais que suivant comment ça va se terminer, Jérémy pourra peut-être un peu s'en vouloir quand même parce qu'il a eu une sacrée option de victoire. Alors je sais pas. Dimanche, oui. Non, même de victoire, parce que si tu fais le compte des deux qu'il a. Les deux, il était à 3, il aurait été à 5. Et en fait, il les a attaqués les tables, hein, on est bien d'accord. Ouais. C'est deux petites erreurs juste qu'il a fait, parce que c'est sur deux blanches noyées. Donc après, c'est pas fini le match, hein, loin de là. Ouais. Mais là, sur une table comme ça, je vois plus Yasser arriver au bout. Parce que bon, voilà. Je pense qu'on passe le snooker derrière la noire. Après, au pire, hein, si le sympa il fait carreau. Hein. Ouais, lui il fait pas. C'est propre, tu vois, c'est. Non mais après. Moi, j'aime bien. Ça touche à rien. Hop, un beau placement. Voilà, oui, c'est au plus nickel. Simple. Au fond, au milieu, tout est bon dans le jambon. Il dit quoi au fond? Non. Ah, il va jouer au fond. Ouais, t'as raison. Bim. Bim et. Voilà pourquoi j'aurais joué mieux. Ouais. C'est étonnant que ça part. Pourquoi il saute dessus comme. Hier, toute la journée, j'ai pas vu jouer aussi vite. Non, moi, avec moi non plus. Et par contre, tu sais que si la rouge arrive à passer devant. Ça va être du boulot pour rien, ça. Hein. Alors d'ici, je vois pas super bien. C'est chaud. Hein. Mais je pense qu'elle peut passer devant, je te dis. Ou alors il va jouer, il va se coller. Ouais, ça va être. Ouais, il va la mettre devant, non, il la joue. Mais... Non, mais c'est regarde. Ouais, c'est pas mal. Voilà, il peut refaire la même, hein, il y a ça. Finesse, va plus. Non, mais il peut la mettre. Hein. Ah, bah oui, c'est surpris. Calme-toi. Calme-toi. Un nouvel arbitre. Je connaissais pas. Jean-Pierre Sanon? Non, je connais pas ce monsieur. Là. J'ai pas là. La chance. Ah,
poste. Ah bah mince alors. Enchanté. Jean-Pierre Sandon. C'est Roro et Dada. Welcome to the beer city. Alors il a joué fine. Ouais, il a joué. Attention fine. À la manche, ces trucs-là. Attention à la manche. Attention à la manche. Attention à la manche. Ça va, ça passe. Ça, c'est chaud. 4-3 pour Yasser. Je trouve qu'il s'en sort bien. Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, c'est mon, juste mon avis. Ah non, je suis d'accord. Parce qu'il s'est, c'est vrai qu'il s'est, il s'est un peu jeté sur ce noir et il a quand même de la réussite à ce qu'il revienne ici. On est d'accord. Il en faut pour gagner, pour un tournoi. Mais sur le coup, il s'en sort bien. Après, voilà, ça fait partie. Pour gagner, il en faut aussi. C'est ce que se dit Monsieur Thébault d'ailleurs. Je ne veux pas dire le score, mais il y a 5 sèches. Voilà. C'est et les 20, il regarde, il dit et moi, c'est quand que j'en fais 5. Gamin, il a faim. Il a faim, gamin. Tu vois les 20. Moi, c'est ses cheveux, je suis jaloux. C'est ça. Alors, tu sais quoi? Franchement, il a même mis la veste aujourd'hui. C'est Alf. Alf, il a la coupe et tout. Ah, la petite mèche devant. Et ouais, de profil. Notre petite Alfie est de retour. Il va être content quand il va entendre. Alors, c'est la casse. Eh bien, Jérémy, notre petit Jérémy. Alors, là, il doit se poser des questions. Là, c'est tendu, manche, tondu, tondu, tondu. C'est compliqué tout ça. Oh. Allez, Francky, joue du trou. Francky gose. Alors, ça va nous lever quoi à la casse? Ah, de toute façon, il faut pas qu'il mette la blanche. Hein. Ah, ça c'est. Bah, ça va. Sinon, il nous fait un saut périlleux, il mange le billard. Bim, alors, pleine tête. Alors, des fois, quand t'es agacé, tu casses pas pareil parce que ton geste il est un peu différent. Tu vois, il n'a pas cassé pareil, il a fait que la blanche. Mais il a empoché. Ouais, il a empoché, donc d'ailleurs, tu vois qu'il n'a pas cassé pareil, la blanchette tourne et tout. Arrête là, ça met le feu. Ouais, ça brûle le tapis. Alors, voyons voir ça, voyons voir ça. Eh bien, je lui laisse. Hein. Je le laisse attaquer, moi. Ah, mais en plus, t'es beau, il joue encore. Ouh là là. Ouh là là. Ouais. Arrête-toi. Calme-toi. Arrête-toi. Bien. Calme-toi, Roger. Il n'a pas pris son cachet. Alors, comment va-t-il faire ça? Ben apparemment, il va le faire avec les rouges, ce qui est évident. Un beau petit jeu. Très con. Ah, je vois pas l'angle, mais... Qu'est-ce que c'est? Oh, bijou. Il y a des choses... C'est pas toujours que je ne comprends pas. La la l'élouage. Là. Parce qu'après, il faut se alors, vu qu'elle pas. Pour dégager l'âge, on apprend les lèvres. Parce qu'elle passait au fond. Elle est passée au fond, cette rouge. Là, ici. Donc, il a voulu la jouer maintenant, là, comme ça. Voilà, ça c'est. Et puis, il va pousser la jeune. Et voilà. Ah, ben là, voilà. Là, c'est tout. Mais je pense que tout était dans. Déjà, sa décision d'avoir pris. Qu'il a pris au départ. Là, la pression était présente. Voilà, exactement. Et derrière, du coup, il se rend compte que c'est pas bien ce qu'il a fait. Et du coup. Il s'agace, il prend pas son temps. Et en plus, tu vois, quand je dis qu'il faut de la réussite. Et en plus, le petit coup de chouïa qui pousse la jaune. Le seul problème qu'il a. Voilà. Et là, il n'y a plus quoi. Et Yasser, il n'y a plus qu'à. Voilà. C'est juste une application. Voilà. Petite pissouille sur la blanche, elle sert demande à la nettoyer. Ah, t'as pas ton... ah et l'arbitre n'a rien. Bah, tu prends un bleu, fais l'ancienne. À l'ancienne, hein. Tu prends un bleu, bic. Voilà, bah oui, nous, on a demandé à tout le monde, là. Arrête un peu. Fais un rond. Tu sais qu'au français, là, on mettait des petits traits, tu sais, sur l'ombre. Avec un crayon, tu sais, de couturière. Ouais, mais tu fais des claques. Ouais. Ouais, mais alors, j'ai eu. T'as connu ça? Oula. Ah, c'est vrai, t'es pas tout jeune, toi. Position de l'arbitre, Coco. Tu connais pas, tout ça. Ah,
Ouais, bah ouais. Ça commence à piquer. Hein. Oui, 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 oui. Ah, ils l'ont trouvé. Ça y est. Est-ce que tu sais t'en servir? Bah, on rigole, mais on les aime bien, nos arbitres. Voilà, impeccable. Voilà, bijou, hop, ça c'est fait. Yasser, tu plaisantes avec l'arbitre ou quoi? Tu voulais tester voir s'ils avaient. Je voulais voir s'il méritait son diplôme. C'est ça. Il a lui. Attention. Ouais. Il a. Ouais. Ouais, il me semble. Je sais pas, bon. J'ai des questions. Là, impeccable. Oh là là, t'es beau. Voilà. Les carottes sont. Il n'y a rien à dire en plus. C'est ça le pire. On va dire. Bravo. Allez, le petit Yasser sur la ferme pour la victoire de cet Open. C'est pas fait, mais c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Oh fuck. Alors, hop. Alors, par contre, je pense que tu devrais juste un poil te calmer. Qui? Hein? Qui se calme? Yasser, Yasser. Juste un poil. Tu vois, il joue un peu vite là. Je le sens un peu tendu. Après, c'est normal parce que ouais, ça va être sa première, première victoire en Open, ce qui va lui faire énormément de bien, mais je le sens un peu. Je vous dirais que M. Thébault a gagné en faisant 6-7. C'est pas mal. Bravo. Sur cette manche, bravo. Je ne vous dis pas le score final, vous verrez par vous-même. Sur notre site Le Billard en Limoges. Et voilà, il met celle-là au milieu, je pense que c'est fini. C'est une bio au milieu. C'est une bio au milieu qui te fait gagner. C'est la manche. Voilà. De la victoire de l'Open. On se pose plein de petites questions. C'est jamais facile. Moi, je pense qu'il va pas se la poser. Par moi, contre, il a envoyé. Jamais je reviens. Ah, mais moi, je la joue pas comme ça. Hein. Après, bravo à lui. Bravo à lui de la jouer. Il faut oser quand même. Ouais, faut oser l'envoyer comme ça. Et du coup, regarde, il va jouer celle-là. Ah non, mais il est parfait, il n'y a rien à dire. Il fait, voilà. Voilà, un petit poulet et hop, c'est fini. C'est bon, il a gagné. Hein. Il a gagné, les gens vont se jeter de la balustrade. Je pense bien. Non, mais là, je ne vois pas perdre. Non. Yasser sur la mort, une victoire 5-3 à cette Open de Brunois. Bravo Yasser. Bravo Yasser. Voilà, bravo Yasser, félicitations. J'applaudis mon pote. Ouais. Voilà, on était très heureux de commenter cette finale. Bien joué. De ouais. Et Valence. On voulait faire un petit merci à tous les spectateurs d'avoir suivi le Billard en Images et de nous avoir suivis sur le LBI qui est partenaire de la Drôme Ardèche TV. Voilà, voilà messieurs, dames. Partenariat avec. Voilà, on espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous et je vous dis à la prochaine avec Roger s'il arrive à se soigner. Et, non, en tout cas, merci et à bientôt. À bientôt.